Bonjour tout le monde. Alors comme vous voyez, je suis rentrée de vacances. Malheureusement, il faut bien rentrer un jour. Et je vais aujourd'hui, donc pour la reprise, vous proposer un nouveau produit que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, hein, avant de partir en vacances. Et je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Donc voilà, donc il s'agit d'un petit blanchiment dentaire. Donc ce sont des bandes de blanchiment dentaire, donc contrairement à celui que je vous avais déjà présenté. Donc ce produit-là, je l'avais déjà acheté il y a quelques années, je l'avais testé, j'avais été super contente, donc c'est pour ça que j'en ai racheté. Donc là, dans ce kit, je l'ai payé, je crois, 7,99€, quelque chose comme ça, et vous avez 48 bandes, il me semble. Enfin voilà, vous en avez pour un moment, étant donné qu'il faut le faire à peu près une fois par semaine. Voilà, donc ce petit paquet donc est composé, bien évidemment, j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien. Vous avez donc des petits sachets, vous voyez, comme ça, vous en avez plein. Hop, voilà, c'est présenté sous cette forme-là. Et donc, comment ça fonctionne? On l'ouvre ici, tout simplement. Alors, vous verrez, c'est beaucoup plus simple que l'autre que je vous avais proposé avant. On l'ouvre et à l'intérieur, on trouve deux bandelettes. Donc, une pour le bas et une pour le haut. Voilà. Donc, là, je me suis lavé les dents au préalable. Moi, ce que je fais généralement, vous voyez, donc là, je suis pas coiffée. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je pose mes bandelettes parce qu'il faut les laisser poser 20 minutes à une demi-heure. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je les pose avant de faire mon brushing. Comme ça, au moins, bah, j'ai le temps, voilà, je fais mon brush tranquille. Et généralement, c'est le temps de pause. Après, vous pouvez, moi, avant, je les posais le temps de faire du ménage, du repassage. Enfin, voilà. Après, il faut juste que vous les posiez à un moment où vous n'avez pas besoin de parler parce que vous verrez, on a quand même du mal à parler. Donc, ce que je peux vous conseiller avec l'expérience, c'est déjà de positionner celui du bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, en bas, on va saliver beaucoup plus. Et si on a déjà celui qui est positionné en haut, on va encore plus saliver. Donc, on va avoir du mal, ça va glisser, on va avoir du mal à positionner la bande. Donc, dans un premier temps, on avale bien sa salive, comme je viens de faire. On décolle donc la petite bandelette. Et donc, sur cette petite bandelette, il y a du gel. Hein. Ensuite, on va la positionner, donc bien dans le bon sens, comme ça. On fait attention donc de ne pas avoir trop de salive. Ah! Et voilà, c'est posé. Donc là, ça se relève souvent. Moi, je prends un peu quand j'ai. Et voilà, c'est positionné. Ensuite, on met ça de l'eau. Voilà, tout est positionné. Donc, vous voyez, on parle un peu bizarre. Et maintenant, moi, je vais m'occuper de mes cheveux et je vous reprends dans 20 à 30 minutes. À tout de suite. Voilà, alors, ça y est, ça fait une demi-heure. Comme vous voyez, j'ai le temps de me faire mes cheveux, de m'habiller. Voilà, donc là, maintenant, on va enlever les bandes. Donc, c'est tout simple. Ah,
On tire et vous avez la bonne carrière. Là, pareil. Hop, on les met à la poubelle. Et après, moi, ce que je fais personnellement, eux, ils disent de rincer la bouche ou quoi. Moi, ce que je fais, c'est que je prends ma brosse à dents et cric. Et voilà. Ce qui permet de décoller, en fait, parce que vous allez voir, vous allez avoir du gel qui reste collé. Ça va permettre de décoller le gel. Et là, voilà, je décolle vraiment bien le gel. Et là, je vais pouvoir me rincer la bouche. Vous pouvez aussi vous relaver les dents derrière, enfin c'est à vous de voir hein, comme vous vous sentez. Donc on rince vraiment bien. Il faut vraiment qu'il reste aucun gel. Donc après moi ce que je vous conseille de faire, c'est de passer votre langue sur vos dents, devant et derrière, parce que souvent c'est derrière qu'il en reste. Et si vous en sentez, voilà, moi je sens un peu de gel qui reste ici. Donc je remets un coup, heureusement. Et voilà, c'est fait. Donc je rince encore une fois. Et voilà. Donc au niveau qualité, franchement, j'ai les dents beaucoup plus blanches. Ça se voit pas forcément là en vidéo. En plus, j'ai pas de avant-après. Mais honnêtement, elles sont beaucoup plus blanches. Elles brillent beaucoup plus à la normale. Donc déjà que j'ai les dents un peu tordues et le fait de les blanchir, ça va mieux. Alors par contre, vous risquez d'avoir on le voit pas la vidéo, mais ça fait des micro-taches beaucoup plus blanches en fait. Ça, moi, on m'a dit que c'était par rapport à la cigarette. En fait, comme je suis fumeuse, donc je pense que les non-fumeurs ne devraient pas avoir. Mais après, ça se voit pratiquement pas, hein. Vraiment. Ça ne se voit pratiquement pas. Donc voilà. Donc en gros, moi je suis super contente de ce produit. Je le fais à peu près une fois par semaine quand j'y pense et quand j'ai le temps. Là, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Ça faisait bien 1 ou 2 ans. Mais quand je l'ai vu sur internet, du coup, bah, je me suis empressée de le racheter. En plus, bah voilà, pour 8 euros, vous en avez pour un sacré bon moment. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment. Même voilà, si vous le faites pas tout le temps, si vous voulez le faire de temps en temps. Au niveau, par exemple, si vous avez une soirée ou voilà une journée de prévu, une invitation, quoi que ce soit, hop, ou pendant les vacances, vous voulez avoir des jolies dents, vous le faites. Donc après, c'est sûr que c'est pas un blanchiment dentaire comme vous feriez en salon ou quoi que ce soit, mais voilà, ça n'abîme pas les gencives, contrairement à l'autre qui, vous savez, avec la lumière bleue qui chauffait. Là, vraiment, ça chauffe pas les gencives. Moi, j'ai les gencives très délicates, j'ai un déchaussement dentaire. Et franchement, là, c'est nickel parce qu'on peut le positionner vraiment comme on veut. Donc, on peut le mettre, comme moi j'ai fait, à ras la gencive sans pour autant toucher la gencive. Donc, voilà. Et puis, on dirait que le produit est beaucoup moins agressif sur ces petites bandelettes. Donc, voilà. Enfin, moi, voilà. Très contente de ce petit produit que je vous recommande. Voilà. Bah, écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. J'ai acheté plein de choses pendant mes vacances. J'ai plein d'autres produits à vous présenter. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Likez ma page Facebook. Mettez des pouces bleus. Aimez, partagez, invitez vos amis. Il va y avoir plein de nouveaux tests dans les prochains jours. Vous allez voir.
voilà, avec des produits spécifiques de l'été, vraiment des produits que j'ai trouvés en vacances et que je ne pensais pas, enfin il y en a même que je ne savais même pas que ça existait. Donc voilà, donc hésitez surtout pas à suivre ma chaîne, vous allez avoir plein de surprises dans les prochains jours. Voilà, je vous fais plein des bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.